Nicolas Pernoud, défaite 5-3 ce soir contre les Getseka Lions. Est-ce qu'on peut dire que Sierre a manqué un peu trop de chance ce soir pour remporter la victoire? C'est vrai, on a eu beaucoup d'occasions. Après, je pense que défensivement, ça va pas. On prend trop de contre facilement et on prend des goals trop facilement. La défense, c'est trop facile à nous jouer. Mais voilà, je pense qu'il faudra qu'on se reprenne pour le prochain match. Ouais, les deux prochains matchs, c'est tout simplement les deux leaders, c'est Holten et Chaudfond. Qu'est-ce qu'il faudra faire justement ces matchs-là pour éviter de prendre des buts comme tous ces derniers matchs? Il faudra jouer très compact défensivement et puis jouer nos gros matchs, les plus gros matchs qu'on a fait et puis s'entraîner comme il faut cette semaine déjà. Et puis tout faire pour ramener ces 3 points, enfin ces 6 points. À titre personnel, tu reviens assez fraîchement des championnats du monde U20. Comment s'est passée cette expérience? Puis aussi, comment s'est passé le retour un peu sur terre ici à Sierre? Alors l'expérience était vraiment incroyable. Enfin, c'est une expérience que tous les jeunes rêvent de faire dans leur vie. Donc c'était le tournoi à faire. Et le retour, il a été compliqué avec les décalements, enfin le décalage horaire, tout ça. Et, c'était un peu compliqué de reprendre sur la glace, mais on m'a bien fait travailler, Yves. On a fait du hors-glace, enfin tout ça, et puis ça va mieux là. Merci beaucoup Nicolas et bonne suite.